Et bonjour mes petits loups. Bon, aujourd'hui c'est un format un petit peu différent puisque en fait je vais mettre en voix off, comme ça vous allez pouvoir m'observer en train de préparer mon terrain. Comme vous voyez, il y a du foin sur ce petit carré. Donc je commence par couper la tête de mes orties, les mettre à sécher et là en fait je suis en train d'arracher. Voilà, j'ai fait tout le tour, j'ai arraché les orties et maintenant on va s'atteler au reste. Allez, c'est parti! Bon, là j'ai pris en fait une griffe, c'est pour retirer le foin que je laisse tout l'hiver en fait pour protéger ma terre. Donc je dégage le foin et je le mets sur le côté. C'est parti pour un petit coup de grelinette pour aérer le sol, le décompacter. Bien qu'après quelques années ça marche plutôt bien, c'est pas trop dur. Une petite pause de mon petit doudou comme d'habitude. Ça fait du bien de se reposer un peu et voilà, un petit instant câlin. Bon allez, pas trop longtemps, hein. Il y a du boulot quand même. Bon, quand il a décidé, il a décidé. Allez, là, je passe un petit coup de griffe, tout simplement pour décompacter les petites mottes qui sont restées après la grelinette. Je passe le râteau pour mettre le terrain à plat, enlever les plus grosses brindilles et les cailloux qui restent. J'ai mis une après-midi à faire ce terrain. Voilà, là j'apporte une planche en fait sur laquelle je vais pouvoir marcher régulièrement sans trop tasser le terrain. Voici mes jeunes pousses de maïs. Je les ai fait germer en godet et puis voilà, je trouve que c'est plus facile après de gérer au niveau des limaces. Bon, la journée se termine en fait. J'ai pris une après-midi pour faire tout ça et je finis toujours par nettoyer tous mes petits godets. J'essaye de faire au fur et à mesure cette année parce que franchement, les années passées, je me suis fait un petit peu déborder. Voilà la serre qui est déjà bien remplie. Et puis bon, bien évidemment, l'apéro, une petite récompense le soir quand même après tout cet effort. Allez les petits loups, sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!